bien salut à tous, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Paul Chouf. Ça fait très longtemps qu'on fait des vidéos avec mon acolyte Eric qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de micro. En fait, on peut juste pas filmer pour l'instant avec cette caméra et un micro. Enfin, en fait, le son est dégueulasse, donc là je filme tout seul aujourd'hui. Il arrive bientôt avec une nouvelle voiture qui arrive d'ici quelques semaines pour nous et du coup quelques mois peut-être pour vous. On a aussi un autre truc à faire, j'ai commandé un moteur pour une voiture que vous connaissez déjà qui est apparue sur la chaîne, que j'avais vendu et que finalement j'ai racheté. Il y avait une voiture rouge, ceux qui la connaissent et en fait je l'ai racheté au propriétaire. Il s'avère qu'on a fait des choses dessus, le moteur n'a pas trop tenu et donc j'ai racheté un moteur vraiment il y a 4 heures. On va faire des vidéos là-dessus, faut qu'on change le moteur, il y aura du boulot, on va s'amuser ensemble. Donc on va essayer de tout filmer au maximum pour que vous puissiez suivre tout ça, surtout que c'est une réparation qui n'est pas commune. Et vu que c'est une voiture qui n'est pas commune aussi, comme celle qui est derrière moi, ça va être très sympa à faire. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule, alors soit c'est essai de Nissan Cedric 1987, soit c'est ma nouvelle voiture, parce qu'en fait maintenant il y a des voitures où je vais juste écrire essai, par exemple l'essai de la 106, c'est un essai mais c'était ma voiture, je l'avais eu et je l'ai revendu à quelques jours après. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, ça va faire du coup la 306, donc ça fait 4 mois ou 5 mois. Aujourd'hui on se retrouve devant cette Nissan Cedric de 1987, c'est ma nouvelle voiture. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chaîne YouTube, on a eu plusieurs voitures avec Darkthrow, donc Eric, on est potes depuis 10 ans, on se connaît très bien et on a toujours été passionné d'automobile. Et là, le fait qu'on ait le permis et qu'on puisse avoir des voitures qu'on a toujours voulu avoir, ou alors pas du tout voulu avoir mais qu'on a juste eu l'occasion de les avoir, on en fait du coup des vidéos sur la chaîne YouTube. Et plus particulièrement, moi j'ai acheté du coup un Hyundai coupé rouge que vous avez déjà vu passer sur la chaîne il y a un an, du coup ça fait un an que j'ai le permis. Et donc vous l'avez vu, il va revenir parce que du coup je l'ai racheté comme je disais tout à l'heure. Et donc j'ai aussi acheté, après ce Hyundai coupé rouge, j'ai acheté une BMW. Donc une BMW série 3 E36 318i, avant la mode bien sûr, parce que maintenant c'est la mode de rouler en E36. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce thème de vidéo qui est présentation automobile. Donc je vous ai dit, j'ai eu une BMW, je l'ai revendue, elle a d'ailleurs très mal fini, je vous mettrai une photo maintenant ou après. Et donc j'ai dû acheter une nouvelle voiture, parce que du coup quand j'ai vendu la BM, j'ai dû racheter un véhicule pour aller bosser. Spoiler, du coup je bosse pas, mais j'ai quand même acheté une voiture. Et cette voiture, c'est une Nissan Cedric de 1987, qui est juste derrière moi, voilà. Oula, l'appareil photo a failli se casser là. J'ai acheté une voiture et c'est une Nissan Cedric de 87. C'est une très bonne caisse, vraiment c'est une caisse que je kiffe. Je crois que c'est ma caisse préférée de tous les temps, de toutes les voitures que j'ai eues, même si j'en ai pas eu beaucoup. Et du coup, pourquoi j'ai acheté cette voiture là? J'ai acheté combien? Qu'est-ce qu'elle a? Combien de kilomètres elle a? C'est quoi ce moteur? C'est quoi ce modèle? D'où ça vient? Donc on va commencer par le commencement. Nissan, du coup, dans les années 80, il lance une voiture pour le marché européen, mais plutôt style américaine pour le marché européen. Vous vous doutez bien que ça n'a pas marché du coup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup déjà, on n'en voit jamais. Et en fait c'est un peu flop, parce que du coup c'est quand même des caisses qui sont assez grandes, c'était assez cher, ça coûtait 115 000 francs à l'époque, j'ai encore la facture d'ailleurs. C'est pas des caisses qui étaient destinées à un grand nombre de personnes. Les gens dans Paris déjà, ils roulaient en voiture française, donc Peugeot, Citroën, tout ce qui était 605, CX, pas encore les 605, c'était pas encore sorti à cette époque là. Et donc Nissan, ils se décident de faire une voiture qui s'adresse à un public un peu plus aisé niveau finance, on va dire. Et donc ils sortent ça. Ça c'est une voiture qui fait 5 mètres, donc dans les villes c'est un peu chiant. Qui dit voiture grande dans les grandes villes dit potentiellement des taxis, et donc ces voitures là étaient aussi des taxis. Au Japon elles ont été voitures de police, donc autant vous dire qu'à 84 chevaux vous n'avez pas rattrapé grand monde. Et donc nous en France on a eu la variante du coup en diesel, parce qu'on n'a pas eu de variante essence en France. Et donc c'était une voiture avec un cylindre en ligne diesel 2,8 litres Atmo qui fait 84 chevaux. Je peux vous dire que ça avance pas du tout, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc on reprend, j'ai acheté cette voiture pour la simple et unique raison, parce que je cherchais une voiture, on va pas dire pas chère, mais dans mes prix. Donc en gros, pour vous la faire courte, j'ai vendu la BM 5 000 euros, donc ce qui était vraiment un très bon prix, parce que je l'avais acheté 7 mois ou 6 mois à l'avance, seulement 2 700 euros. Donc j'ai fait juste un embrayage dessus, vraiment c'était une super affaire cette caisse. On s'est très bien amusé. Vous aurez peut-être des petits extraits dans la neige avant de la vendre, vraiment c'était le week-end avant de la vendre. Ah.
Et donc la voiture, je l'ai vendue, la BMW, je l'ai vendue. Elle a duré moins de 24 heures, parce que la personne qui me l'a achetée, du coup, elle l'a explosée, clairement. Hein. Elle a eu un accident avec. Bon, tant mieux pour lui, il a rien eu. Moi, j'avais quand même bien le seum, parce que du coup, c'est une caisse qu'on a bossé pas mal de temps dessus avec Eric. Et donc, on voulait quand même la voir, finir ses jours dans une bonne condition. Elle avait 200 000 km, le moteur, il en avait 130 000. Vraiment, elle était très bien cette voiture, on venait de faire des frais dessus, on avait fait l'embrayage, on s'était fait chier à faire d'ailleurs l'embrayage parce que c'était un peu une galère, mais en vrai ça allait. Et donc, je la vends, et je me suis dit du coup, il me faut une voiture, ça n'a rien à voir avec la vidéo, j'avais du coup plus de voiture pendant une semaine, et je me suis dit, vas-y, on cherche des voitures, j'ai le soleil en pleine gueule, c'est super, et donc je me suis dit, vas-y, on cherche des voitures, et je cherche, je ne trouve absolument rien qui me convient, sauf que moi j'ai des goûts en automobile qui sont très spéciaux, j'aime bien les voitures grandes, hein, vous l'avez vu de toute façon avec cette voiture-là, pour rien à compenser, hein, bien sûr, hein, mais juste, j'aime les voitures qui sont gigantesques. Et donc moi j'aime les voitures qui sont grandes, qui sont originales, et du coup, je me suis penché dans ce secteur des voitures anciennes japonaises, parce que les voitures françaises, en grandes voitures françaises, il n'y en a pas des masses, et souvent elles sont pas très fiables, et comment dire, les pièces se trouvent assez rarement, comme celle-là, mais dans tous les cas, toutes les voitures anciennes, les pièces se trouvent pas beaucoup. Et pour en citer quelques-unes de françaises qui sont grandes, il y a les Citroën CX, il y a les Citroën SM, sauf que ça coûte vraiment une blinde maintenant. Il y a les Peugeot 605, donc c'est des caisses qui sont très grandes, qui sont fiables, hein, par contre, hein, quand vous les prenez avec des bons moteurs, c'est très fiable, que ce soit essence ou diesel. Mais par contre, c'est pas des caisses qui m'intéressent, le visuel de cette voiture m'intéresse moins qu'une voiture ancienne japonaise. Et donc je me suis dit, vas-y, on va se taper un délire, on va acheter une caisse qui est ancienne et qui est surtout japonaise. Donc je me suis dit, vas-y, qu'est-ce qu'on a en grande voiture japonaise ancienne? Je me suis penché du coup sur une Lexus GS300, l'assurance voulait juste pas, parce qu'en fait c'est le moteur 2JZ GE, il n'y a pas de turbo dedans, et il fait 220 chevaux, elle fait 19 chevaux fiscaux, l'assurance ne voulait absolument pas l'assurer, c'est logique, hein, je suis en jeune permis, hein, donc voilà. Et du coup je me suis dit, on va peut-être taper dans les voitures un peu plus anciennes encore, parce que quand même la Lexus avait déjà 20 ans, hein, ce qui est un bon âge pour une voiture. Mais du coup je me suis dit, viens, on va taper du coup dans les voitures encore plus anciennes. Donc là je suis avec une voiture qui a 35 ans maintenant, de 87 du coup, enfin 35 ans à peu près, quoi. Et du coup je me suis penché sur une voiture que je connaissais, en fait je connaissais le modèle depuis un certain moment, et je me suis dit, je l'avais complètement oublié, j'avais sorti de ma tête ce modèle, et j'ai une connaissance qui en a deux, enfin une et demie du coup maintenant, et du coup j'ai vu cette voiture là, j'ai fait putain, en vrai c'est bien, c'est confortable, ça coûte, en vrai ça coûte pas si cher que ça. Ça consomme un peu, mais la passion, c'est la passion. Tous les mecs qui consomment diront ça, évidemment. Et donc je me suis penché sur ce modèle de véhicule, qui est du coup une Nissan Cedric de 87, en 2,8 litres, 6 cylindres en ligne, diesel, atmosphérique de 84 chevaux, donc ça avance pas du tout, hein, ça avance vraiment que dalle. Mais par contre c'est très drôle, c'est hyper confortable. Genre je connais même pas une caisse qui était plus confortable que celle-là. Même la nouvelle voiture d'Eric, elle est pas aussi confort, pourtant c'est une très bonne caisse, hein, et qui arrivera d'ailleurs bientôt. Et du coup je me renseigne, je vais sur le bon coin, je cherche, je trouve absolument rien qui me convient, je cherche même dans toute la France. Et là un soir du coup je regarde, en journée avec Eric, je regarde, je vois cette voiture là et je me suis dit putain, elle est spéciale, parce que déjà elle a pas beaucoup de kilomètres, elle coûte pas si cher, il y avait quand même des frais à faire dessus, on a eu pas mal d'emmerdes d'ailleurs liées à ça. Là maintenant ça vaut pas grand chose, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, parce que c'était pas cher. Je l'ai payé du coup 2000 euros, elle était à 2300 euros, il y avait quand même des gros problèmes. Avant qu'il y ait toutes ces jantes là, il y avait forcément les jantes d'origine. Et donc ces jantes d'origine avaient deux pneus qui étaient morts, il y a le pare-brise aussi qui est fissuré là où je pointe le milieu de ma caméra. Et il y avait aussi du coup pas de frein à l'avant, à l'arrière. En gros ça freinait, enfin ça freinait que de l'arrière, mais du coup ça bloquait les roues, c'était vraiment très désagréable. Tout comme le bruit de la voiture qui passe derrière moi. Et donc on a eu un problème de frein avec Eric, on l'a réparé, maintenant c'est fini, elle freine très bien d'ailleurs. On a quand même eu des galères avec, je vous ouvre le capot pour vous dire quel problème on a eu. Donc on va aussi passer par l'intérieur, elle est pas propre, hein, vraiment, j'ai lavé il y a 3 jours. C'est vrai que c'est pas tellement loin comme lavage, mais ça se salit très vite, surtout que c'est des voitures avec de la moquette intérieure et des sièges velours, donc voilà. On va ouvrir le capot, la capoterie se trouve juste ici. Vous allez admirer la bête. Donc en gros c'est un 2,8 litres 6 cylindres en ligne de clairement, en fait c'est typiquement Nissan, c'est japonais, hein, clairement comme voiture. Donc c'est un bas moteur de Nissan Patrol, du coup les moteurs qui avaient le turbo, sauf que moi comme vous pouvez voir, j'ai clairement pas de turbo, et du coup c'est pour ça qu'il est un peu sous-puissant.
mais ça fait quand même bien le taf. La baie moteur a été complètement nettoyée, hein, donc vraiment elle est très propre. Je pensais pas m'attendre, enfin je pensais pas avoir un résultat aussi beau en nettoyant juste avec un coup de karcher. Et il faut constater aussi que le liquide de frein est très bas. C'est une tentative, on va dire, de Nissan de produire une voiture style américaine pour le marché européen. Et donc, bon, évidemment, ça n'a pas marché, sinon il y en a encore en circulation. Et cette voiture-là, c'est la même que la Datsun H430 qu'on a aussi eu en Europe. Juste, Datsun, ça n'existe plus du tout. C'est une marque de voiture qui n'existe plus du tout, qui est dans un état, en vrai, qui n'est pas si mal, on va dire. Il y a quand même des défauts, hein. Vous le verrez, de toute façon, l'aile, voilà, celle que je pointe, si j'y arrive avec mon doigt ici, elle n'est pas belle. En gros, c'est une voiture qui manque d'attention au niveau esthétique, même si d'en trouver une en bon état, c'est très compliqué maintenant. Et déjà, d'en trouver une, c'est compliqué. Alors imaginez d'en trouver une en bon état. Vous allez voir, il y a des jantes de Nissan 300ZX Turbo Z31. C'est une petite monif que j'ai trouvée. Ça lui rend un petit look sympa. Ça fait une caisse... C'est vrai que c'est un peu une caisse qui a une gueule américaine. C'est une gueule atypique, hein. Vraiment, c'est une voiture que vous ne trouvez pas tous les jours dans la rue. Justement, souvent les voitures, enfin, les gens qui m'arrêtent me disent « Putain, j'avais ça, enfin je voyais ça dans Paris il y a 25 ans, 30 ans en tant que taxi, quoi. » Et il m'a dit, enfin j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit « On n'en voit plus, gardez-la, monsieur, faut en prendre soin, peut-être que dans plusieurs années ça vaudra un billet et de ça. » Et donc là on se trouve sur le compartiment moteur, donc c'est un 2 litres 8 6 cylindres en ligne du coup de 84 chevaux, c'est pas énorme, mais dans la voiture que c'est, en vrai ça va, elle pèse seulement 1,5 tonne, donc beaucoup de personnes me disent, putain vraiment 1,5 tonne pour cette voiture là, je pensais pas qu'elle pesait aussi peu. Moi je trouve ça que c'est un peu du poids, mais comparé à la BM qui faisait 1,250 tonne, en vrai ça va, pour une voiture qui fait quand même, là on a... c'est une voiture qui fait 5 mètres, hein, donc c'est quand même très grand, et donc voilà. C'est un moteur du coup qui est très costaud, hein, vraiment les moteurs sont super fiables là-dessus. C'est un bon moteur de pétrole avec juste une culasse sans turbo, parce que du coup les moteurs de pétrole, eux ils ont les turbos, on n'en a pas. Ça manque pas tant que ça, parce qu'en vrai ça marche pas si mal pour le peu de puissance qu'elle a. Surtout que c'est une boîte automatique, donc comme vous pouvez le voir, ou pas du tout le voir, parce que je cadre très mal, c'est une boîte automatique, donc 4 rapports avec overdrive, c'est le bordel. On a eu un petit problème du coup à ce niveau-là, c'est le maître cylindre de frein. Et en gros il a merdé et il pouvait plus distribuer correctement le freinage. Il répartissait très mal le freinage et du coup non il répartitait. Oula pas du tout. Bref, le freinage était pas beaucoup, pas bien réparti. Et donc on a dû le changer. Heureusement on a pu en trouver un autre. J'ai aussi acheté un maître cylindre de Nissan 200SX S13 qui est aussi une voiture que je veux absolument, c'est ma voiture de rêve. Et donc pour l'instant on commence avec sa grande sœur mamie, on va dire, vu que c'est presque les mêmes années. Et donc voilà. C'est une voiture qui est assez simple en conception, c'est vraiment un gros moulin diesel, c'est un tracteur clairement, pompe à injection, qui merde souvent sur ces modèles là, mais pour l'instant j'ai pas de problème. La petite feature, c'est que comme les Hummer, vous avez la petite lampe intégrée, donc voilà, ça fait office de truc, elle s'enlève hein, mais j'ai pas l'enlever parce que c'est une grosse merde à remettre, et en gros vous pouvez l'accrocher partout où vous voulez, et ça vous éclaire mieux qu'un iPhone, mieux que mon iPhone en tout cas. Et donc voilà, niveau intérieur, on se trouve sur l'intérieur full velours, et moquette. Intérieur très simple, hein, on va dire. Là, c'est dégueulasse. Forcément, j'ai mis mon machin pour le téléphone. Mais en vrai, ça va. C'est le bordel aussi ici. Elle a seulement 243 000 km au compteur. Voilà, il y a de la place à l'arrière. C'est vraiment très très spacieux comme voiture. Moi, je kiffe. Hein, vraiment, c'est ma voiture préférée de tous les temps que j'ai eu. J'en ai pas eu beaucoup, mais ça suffit à dire que c'est ma voiture préférée. Ce petit bruit là, c'est le coffre, l'ouverture du coffre. C'est un très grand coffre, hein. Vraiment je rentre dedans à l'aise. Mes mains sont très grandes, hein. Mes mains sont grandes, le coffre l'est aussi. La comparaison est vraiment nulle à chier d'ailleurs. Ça fait vraiment une caisse de mafieux, d'ailleurs c'était une caisse de mafieux russe, hein, évidemment. Bon, pas celle-là du coup, mais les ministres russes l'avaient, et les mafieux russes l'avaient aussi. Et d'ailleurs les flics japonais l'ont eu, mais par contre eux ils ont eu le modèle essence, du coup vu que c'était du Japon. En soi, on le voit bien, hein. Là c'est les feux US, hein. C'est typiquement les voitures américaines qui ont des feux juste ici. Et d'ailleurs, comme tous les pare-chocs noirs en plastique, tous les feux sur les pare-chocs noirs, c'est vraiment typiquement voiture US. On va fermer ce capot, qui d'ailleurs fait un bruit de métal. Bon, le cadrage va être très nul, hein, mais au moins on me voit, et ça c'est cool. Donc on va se mettre en position drive, donc c'est une moto auto, donc on se met en position drive, le D hein, pour les intimes, bien sûr. On met la ceinture, évidemment, toujours mettre la ceinture. Et on va aussi rouler. Donc maintenant on allume les phares. Les phares sont allumés. D'ailleurs, petite sonnerie pour vous rappeler que les phares sont allumés quand vous sortez de la voiture. Faut l'éteindre.
Voilà. On peut démarrer. Ah oui, du coup, vu que je suis en drive, faut me mettre en P. Voilà. Donc, on se remet en drive, du coup, et on va pouvoir rouler. Et donc, là, on arrive à l'intersection. Qu'est-ce qu'on fait? Clignotant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture-là? Du coup, quel est le projet? Et qu'est-ce qu'on va faire, du coup, avec les autres voitures? Parce que, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai racheté ma voiture rouge, donc la Hyundai Coupé. Je l'ai rachetée vraiment pas cher, hein, elle avait des problèmes. Et donc, là, on a un moteur à changer. Donc, le moteur, on va le faire en vidéo. On va essayer de documenter en vidéo le plus possible de ce qu'on peut faire. Et du coup, cette voiture là en fait, elle est finie. Clairement, la Nissan Civic, elle est finie. J'ai changé les jantes. Pour moi, c'est le seul truc qu'il fallait faire. Le seul truc qu'il faudrait faire en plus, c'est de la rénover niveau intérieur, extérieur, plastique, on va dire. Hein. Mais là, pour l'instant, en vrai, moi, c'est une caisse qui me convient. Elle est très bien. Elle est vraiment très cool à conduire. Je l'aime bien, hein, comme voiture. Mais là, le prochain truc à faire, c'est la Hyundai. Hein. Donc, on va changer le moteur. On va se changer ça ensemble. Et à l'autre vidéo, du coup, de la 600. Oula, il y a une autre vidéo qui va arriver d'une voiture. Je me suis presque spoil moi-même. Il y a une voiture qui va arriver sur la chaîne. C'est la voiture d'Eric, la nouvelle voiture d'Eric. C'est pas la 306, c'est une autre. Du coup, ça commence par un 6. Et donc, je vous laisse deviner. Ça arrive bientôt. On va se retrouver bientôt sur sa chaîne YouTube. D'ici quelques semaines, hein, pour le changement du moteur de la Hyundai. Peut-être d'ici quelques mois si j'ai pas le temps de faire le montage ou si j'ai vraiment la flemme. Et on va pouvoir se revoir très bientôt. Je voudrais bien faire des vidéos autres que la mécanique, mais vu que c'est une activité, on va dire, qui prend beaucoup de temps dans ma vie et dans, du coup, celle d'Eric, bah voilà. Et donc je disais, oui, en fait la mécanique, c'est une passion, on va dire, une activité qui prend beaucoup de temps dans notre vie avec Eric. Et du coup, le truc, c'est que nous, on peut pas faire beaucoup de formats autres que la mécanique, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de choses. Et si on devait documenter tout ce qu'on fait en mécanique, vraiment, il y aurait des playlists complètes, et la chaîne YouTube serait littéralement blindée de contenu mécanique. Donc, faut nous dire si vous aimez ça. Faut aussi nous dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir aussi comme contenu. Donc, si c'est contenu automobile, on va aussi aller à des événements, donc on va filmer les événements, j'espère. Je vais essayer de pouvoir filmer tous ces événements-là. Il y a le Merguez Tuning Show, donc l'événement de Villebrequin qu'on va filmer. Je vais essayer de faire une vidéo, on ira avec la Nissan de toute façon, dans tous les cas. Donc on va essayer de documenter plein d'événements. Je vais aller au championnat de France de drift, donc Eric peut-être qu'il viendra, j'espère. Et donc je vais essayer de faire des vidéos, des photos, tout ça. Et on va aussi aller au Japan Car Festival, donc il faut que je prenne les places, mais on va y aller. Et donc ça sera une exposition de voitures, il y en aura des centaines. Ça va être une bonne journée, on y va sur un jour, on va s'amuser comme des fous. Vraiment, c'est des voitures très rares, hein. Donc forcément il y aura la voiture de mes rêves, il y aura sûrement la voiture de ses rêves à Eric. Bon, elle n'est pas japonaise, enfin il y en a une qui est japonaise, mais l'autre elle est américaine. Et donc on va s'amuser ensemble, on va faire plus de contenu, j'espère, ça serait bien parce que faut changer aussi un peu, hein. La mécanique c'est cool, mais les jeux vidéo c'est bien aussi. On va essayer d'en refaire des vidéos de jeux vidéo, donc tout ce qui est Assetto Corsa. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur BMW Drive parce que du coup c'est un jeu qu'on n'a jamais testé en vidéo mais qui est très bien. Faut qu'on fasse des vidéos à nouveau sur Warzone, faut qu'on en fasse aussi sur GTA si on peut. Il y a plein de contenu qui nous intéresse. Le seul truc, c'est qu'on passe presque tous nos week-ends sur les voitures. Et donc voilà. On va essayer aussi de documenter un maximum le contenu automobile. Donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est rassemblement. On va essayer de documenter des rassemblements du coup. On en fait avec une team qui est vraiment très cool, des vrais passionnés automobiles. Donc ça nous fait vraiment plaisir. On vient sur les rassemblements avec la Nissan. On prendra du coup pour le prochain rassemblement la nouvelle voiture d'Eric. J'espère qu'elle roulera enfin. Là, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement l'essai de la nouvelle voiture d'Eric ou alors le changement du moteur de la Hyundai. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, abonnez-vous et achetez des voitures que personne a. Comme ça après je vous les présente sur la chaîne et ça fait des vidéos et ça augmente les vues de la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.